Voilà, tu peux faire ce que tu veux, hein. Moi, je vais filmer, tout le monde entier va voir ça. Je vais filmer, voilà. La famille, partagez cette vidéo-là, hein. Voilà. Je l'ai fait venir depuis la Côte d'Ivoire en France ici. Regardez, elle est en train de jeter mes chaussures. Elle a jeté mes chaussures, elle est en haut là-bas. En pleine pluie, hein. Je suis sous la pluie, regardez. Elle est en train de jeter mes habits. Faut jeter, moi, je vais pas parler, hein. Jette mes habits, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Maman, j'anime. Vous voyez? Vous voyez mes affaires? Elle est en haut là-bas, elle est en train de jeter mes habits. Voilà. En tout cas, nos soeurs africaines en Europe, ceux qui sont nos problèmes ici. Regardez, regardez, regardez là en haut là-bas. Hein. Je ne vais même pas faire de bruit parce que là, je ne sais pas. Maman Janine, depuis les États-Unis, tu m'as conseillé, mais vraiment, ils sont en train de voir la vraie vérité aujourd'hui. Elle est en train de jeter toutes mes affaires. Même mes cahiers, mes dossiers de travail sont dans ces valises-là. Vous voyez mes vestes? Vous voyez la loupe qui est accrochée en haut là-bas? Vous voyez? Ça, c'est mes tenues, ça. Vous voyez, sans mes chaussures qui sont là. Voilà, c'est ça la réalité. Je les fais venir. En France, aujourd'hui, je suis en pleine pluie, comme vous pouvez le constater. Il pleut ici. Voilà, il ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas grave. C'est juste l'ancien appel à tous ses frères qui ont l'intention de faire venir les femmes ici. Réfléchissez 2000 fois. Aujourd'hui, me voilà à la rue. Je cherche de l'aide. Celle ou ceux qui peuvent m'aider, vraiment aidez-moi. Voilà mes affaires. Je ne sais pas où aller maintenant. Voilà mes affaires. Voilà mes chaussures. Mes dossiers sont là. Il pleut. Elle a jeté ça dans l'eau. Aujourd'hui, je n'en veux pas à ces personnes qui aujourd'hui vivent en France, à qui on demande matin, midi, soir, qu'ils fassent venir leurs femmes et leurs enfants auprès d'eux. Surtout leurs femmes, mais qui ne veulent pas entendre raison et qui souhaitent vivre solitairement en Europe. Avant, je ne leur donnais pas raison. Je n'ai jamais donné raison à ces personnes parce que je me suis dit que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est marié et qui arrive en Europe et qui a la possibilité de faire venir sa femme auprès de lui n'ait pas ce courage de le faire. Mais en même temps, je n'avais pas pensé que ces personnes-là avaient d'autres raisons que moi, de ce que j'ignorais. Et à travers la situation que je traverse aujourd'hui, je leur donne entièrement raison à ces personnes. Aujourd'hui, je suis victime de ma gentillesse. J'ai fait venir ma femme, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, c'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Je ne vais pas vous le cacher longtemps. C'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Ma femme est venue. C'est elle qui connaît toutes les assistances sociales aujourd'hui en France. Au point où ma femme me dit que ses assistances lui ont dit que le mariage qu'on a contracté en Afrique n'est pas un mariage. Et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Chers frères et sœurs, je souffre. Avant d'en arriver au suicide, je suis passé par plusieurs personnes, plusieurs intermédiaires. Je suis passé par des amis. Je suis passé par des connaissances, même par les membres de sa famille. Et lui faire entendre raison. Mais j'ai compris tous vos messages. Je sais qu'aujourd'hui, au sein de la famille RHDP, de ce compte beaucoup pour vous. Même si je n'ai rien eu encore dans ce combat, mais le fait que vous soyez mobilisés, vous m'appelez de part et d'autre, me demandant de ne pas passer à l'acte. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis prêt à passer à l'acte. Vous voyez, je suis au 15e étage. Je suis prêt à passer à l'acte. Mais je vous explique pour que vous compreniez réellement de quoi je souffre aujourd'hui. Je sais comment j'ai souffert pour faire venir ma femme et mes enfants auprès de moi. Je pouvais vivre la vie de Louga que tout le monde vit ici. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit que nous sommes mariés. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Je ne fais pas une semaine à la maison si je ne suis pas en tout. Je vous le dis franchement. C'est mon directo. Je fais avoir mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avoir mon iPhone. C'est mon directo.